Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Action et Nose, dernière nouveauté chez Action et chez Nose, l'arrivage Casey Art. Avant ça, je vais vous parler d'un colis que j'ai reçu et je tenais en particulier à remercier Gwenaëlle. Elles ont eu un salon loisirs créatifs sur Toulouse et Gwenaëlle, a eu la gentillesse de faire quelques achats pour moi. Donc, je voulais vous montrer ce qu'elle m'avait trouvé. Il y a également quelques achats à Nose qu'elle a pu aussi trouver pour moi. Alors, je vous parlais du colis que j'ai reçu de Gwenaëlle. Donc, Gwenaëlle habite le sud-ouest, près de Toulouse. Et Gwenaëlle et Jennifer ont eu un... Enfin, pendant 3 jours, il y a eu un salon de loisirs créatifs. Et du coup, Gwenaëlle s'est proposé de me prendre des choses. Auparavant, donc avant de vous parler de ce qu'elle m'a trouvé sur le salon, je voulais vous montrer les petits achats qu'elle m'avait fait chez Emma. Donc moi ici, j'ai pas la chance d'avoir de magasin Emma, donc merci beaucoup Gwenaëlle. C'est super gentil, franchement, je t'adore. Enfin, toi et Jennifer, franchement, vous êtes au top. Donc voilà, ce que Gwenaëlle m'a trouvé chez Emma. Elle m'a trouvé ses stickers, que je trouve tout simplement magnifiques. Il y avait également ceci. Les petits citrons et les petits ananas. Et je lui avais demandé de me prendre ces deux alphabets. Donc, un côté, c'est orange et l'autre côté, c'est jaune fluo. Alors, ne me demandez pas les tarifs parce que je ne les ai plus en tête. Et en plus, ce n'est pas écrit dessus. Donc, voilà. Elle m'a également trouvé des washi. Donc, de mémoire, c'était des lots de... De 3. Gwenaëlle, tu diras en commentaire. Je ne me souviens plus. Si toi, tu te souviens... Il me semble que c'était des lots de 3. 3 ou 4, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc j'ai. Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Même peut-être 4. Parce que ça devait être. Ils devaient être ensemble, ces 4-là, de mémoire. Donc il y a un bleu irisé. Il est très beau celui-là. Franchement, il est trop top. Un noir. Pailleté. Un blanc. Pailleté. Et un gris pailleté. Alors avec la lumière de la caméra. On ne se rend pas bien compte. Là, c'est peut-être mieux. Pareil, je ne connais plus le tarif. Et il y avait ceci. Alors, je ne sais plus. Non, ça ne doit pas être chez Emma. Il me semble que c'est chez Nose. Gwenaëlle, si tu te souviens, tu peux peut-être le préciser en commentaire. Parce que moi, je ne me rappelle plus. Et ceux-là, par contre, c'était chez Emma. Ça, c'est sûr. Il y a celui-là. Et ces deux-là. Je les trouve trop beaux pour l'été, ceux-là. Et ensuite, au salon, j'avais demandé à Gwenaëlle de me trouver des nouveaux pour faire mes glue dots. Donc, Gwenaëlle, bien entendu, m'a appelé pendant qu'elle était au salon et m'a envoyé les photos. Donc, je lui ai demandé de me prendre celui-ci qui s'appelle... Alors, est-ce qu'on a la couleur quelque part ? Antique rose. Celui-ci pailleté. Il s'appelle Ruby Slippers. Et, oups, ça roule, excusez-moi. Et ces deux-là, donc celui-ci est plus dans les tons mauve, il s'appelle Mercury. Ça ne rend pas très bien avec la lumière du soir. Et celui-ci s'appelle Copper Penny. Ils sont franchement, ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de les essayer. Ah non, il y en a encore un. Oh, bah, décidément. Et il y a également celui-ci qui s'appelle Neptune Turquoise. Donc c'est un bleu gris. Il est trop trop beau. Là, vous voyez, il y a le prix de 90. Je refais chez Emma. Elle m'avait aussi trouvé cette planche. Enfin, je lui avais demandé de me prendre cette planche. Là, j'avais oublié de vous la montrer. J'en reviens au salon. Alors, sur le salon, j'ai acheté une jelly plate, mais je n'avais pas le rouleau. Donc, je lui ai demandé de me trouver un rouleau. Donc, on voit le prix ici. Elle l'a payé 10,50 €. J'ai regardé sur les sites Amazon ou autres. C'est le même prix. Donc, voilà. Du coup, c'est cool. Je vais pouvoir tester ma jelly plate. Et chez Cartoscrap, elle pouvait, pour 10 € faire un sachet de tampons. Donc, je lui ai laissé libre choix.
Donc, je les ai pas essayés. Donc, je ne peux pas exactement tout vous dire, enfin, vous dire exactement ce qu'il y a d'écrit sur certains. De ton. Alors là, c'est bonheur à la fin. Mais le début, je ne sais pas. Donc, en tout, je crois qu'elle m'en a pris 29, il me semble. Alors, je reviendrai avec une vidéo pour vous les montrer une fois que je les aurai montées et essayées. Je lui avais demandé de me prendre que du texte. Donc, voilà. Celui-là, c'est écrit bonheur partagé. Donc voilà, 100% toi. Enfin voilà tout ce qu'elle m'a pris, hein. Tout mon amour. 100% garçon. Celui-là, c'est je t'aime. Hop, un ticket. Voilà, sur certains, il y a les prix, pas sur tous. Félicitations. Enfin bref, voilà, tout ce qu'il y avait. Je vous les montre vite fait. Donc, je suis fan. Alors, de mémoire, j'en ai peut-être un ou deux en double. Bon, si c'est le cas, c'est pas très grave, je les mettrai en échange. Là, de toute façon, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais ça me dit rien. Ça, franchement, ça me dit rien. Alors, il y a des plus gros. Vacances inoubliables été, ça c'est top. Il y a un fonds sur la rentrée, donc ça c'est cool aussi. Franchement, très bon choix, Gwenaëlle, merci beaucoup. C'est trop top. Ah bah si, celui-là, je crois bien que je l'ai en double. Ah, Gwenaëlle, hein, tu m'as pris deux fois le même. Non mais c'est pas grave. Au pire, je verrai pour l'échanger ou en tout cas, c'est franchement trop cool. Donc voilà tout ce qu'il y avait. Alors je ne les ai pas comptés. Vous voyez par exemple celui-là il y a encore le prix, hein, il valait 2,50 €. Bon anniversaire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26. 28, 30, 31, elle a réussi à en mettre. Donc, merci beaucoup, Gwenaëlle. Je suis fan, fan, fan. Et enfin, elle a réussi à me trouver dans ses actions les deux derniers dice qu'il me manquait dans les bleus. Enfin, ceux que je voulais, du moins. Donc, le petit papillon et la branche de houx. Donc, je te remercie énormément, Gwenaëlle, comme je remercie tout particulièrement Jennifer, parce qu'à toutes les trois, bah, on arrive à compléter nos collections ou à trouver les produits qu'on ne trouve pas dans nos actions respectives. Donc franchement, c'est cool. Et franchement, les filles, je suis trop contente de vous avoir fait votre connaissance. Alors même si pour l'instant, c'est que par vidéo ou par message ou ce que vous voulez, je suis franchement trop contente. Et j'espère franchement qu'on pourra se rencontrer très bientôt. Voilà, donc j'en ai fini pour l'enveloppe de Gwenaëlle. On passe maintenant au haul, nose et actions. Concernant l'arrivage Kezi Art de chez Nose, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, je vais commencer par Kezi Art et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai pu trouver d'autre qui n'est pas du tout de la marque Kezi Art, mais que j'avais envie de vous présenter. On va commencer par les tampons bois. Donc, j'ai trouvé tout d'abord celui-ci. Donc, Kezi Art. Pour l'instant, c'est que du Kezi Art. Les tampons bois étaient au prix de 1,50 €. Je vous montre également celui-ci. J'ai encore pu trouver celui-là. Celui-ci. Oups, pardon. Celui-ci. Plus grand, j'ai trouvé celui-ci. Et celui-ci. On continue avec les tampons clear. Ah, pardon, j'en ai oublié. Il y en a trois qui étaient cachés. Alors, oups. Donc, j'ai également celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Ensuite, en clear,
J'en ai trouvé quelques-uns. Alors là, les achats à noses, c'est sur trois noses différents. Non, pardon. Deux noses différents. Peut-être que si j'ai le temps dans le week-end, j'en referai un autre, mais c'est pas sûr vu que je pars en week-end. Donc, les tampons clear pour les plus petits, ils étaient au prix de 1,99 €. Donc, j'ai trouvé celui-là et celui-là. Les plus grandes planches, elles étaient à 2,99 €. Donc, il y a celui-là. 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 Alors, je vais essayer de vous. Désolée, je vais vous bouger un tout petit peu. Alors, il est tard, hein, donc je suis désolée pour la lumière, mais comme je pars en week-end demain, j'étais obligée de faire la vidéo avant de partir pour pouvoir vous, justement vous la mettre en ligne pendant que je serai absente. Celui-ci. Celui-ci qui tombe très bien là avec les fêtes de Noël. On a celui-ci. Et le dernier. Alors je crois que dans tous, c'est le seul. Non, avec les autres où c'est les mots, mais en fait c'est le seul que j'ai en anglais. En anglais, j'ai celui-là. Et ces deux-là. Sinon, c'est que des français. Donc voilà pour les tampons. Je vais vous les mettre hors champ de la caméra. Voilà. Ensuite, j'ai également trouvé des pochoirs. Alors, ils appellent, ouais, pochoir et masque. Ou poche, c'est comme vous voulez. Chez Kizzy Art, on les appelle de plusieurs façons. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-là. 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 Et enfin, le dernier. Celui-là. Ils étaient au prix de 1,50 € pièce. Alors, quand on sait le prix des produits Kizzy Art, c'est clair, pour le tarif, il ne fallait pas hésiter 5 minutes. J'ai trouvé un bloc 15-15. Donc, celui-ci, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur. Alors, on a peut-être que je me mets comme ça. Hop. Deux modèles à chaque fois. J'aime beaucoup celui-là. Et le nom, c'est. Alors, je suis en train de chercher comment il s'appelle, celui-là. Il s'appelle. Normalement, ils ont des noms. Ça doit être Mini Pack Édito. Et je l'ai payé 1,99 €. Comme vous pouvez voir sur l'étiquette. Ensuite, j'ai trouvé des brades. Donc, j'ai trouvé ceci et ceci à 59 centimes. J'ai trouvé un masking tape. Ah non, mais. Ah ben non, c'est même pas du masking tape. C'est du tissu en fait. C'est du ruban en tissu. À 99 centimes. Alors, ça, c'est ce qu'on peut trouver sur le rouleau. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà. Ensuite, toujours de chez Kizzy Art, on arrive à la fin. J'ai trouvé les petites étoiles Ruben. Donc j'en ai pris 3 à 59 centimes. Et enfin, j'ai trouvé des dots. Donc j'ai trouvé un paquet comme ça. Et ceux-là, j'en ai pris 6. Pour, alors je sais pas si elle a pris, si 99 centimes également.
Voilà, chez Casey Hart, c'est tout. Je continue avec le reste que j'ai pu trouver. Donc, j'ai trouvé de la marque Gilliban Soupe des embellissements en liège au prix de 75 centimes. Du coup, j'en ai pris 3. J'ai également trouvé de la marque October Afternoon des petits, c'est pas des stickers, on peut appeler ça, c'est pas des stickers, des chipboards. Voilà, j'ai payé ça 99 centimes. On voit ce qu'il y a dans le paquet. Ensuite, j'ai trouvé, alors j'ai repris parce que je suis tombée dessus par hasard, mais je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. J'en ai retrouvé un comme ceci, donc j'en ai repris. J'ai trouvé des stickers en époxy de la marque. Alors, c'est quelle marque ça? Craft and Crafting. Voilà. Au prix de 59 centimes, il y avait que celui-là. De la marque Studio G, j'ai trouvé deux tampons à 75 centimes. Donc là, c'est Hello. Et là, c'est Live Love Loud. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des washi tape à 5, pour 50 centimes. Donc avec des petites voitures. Des petits cœurs. Un jour, il faudra que je vous montre mon stock de mes skin tape parce que j'en ai une quantité astronomique et je continue encore à en acheter. Celui-là où c'est écrit bonjour. Je ne vais pas faire la mise au point. Si, bonjour et merci. Et le dernier, où c'est des petits singes. Et on va finir par des tampons de la marque de chez Studio G. Alors, je les ai payés 59 centimes. J'ai trouvé celui-ci. J'ai trouvé celui-ci. 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 Et celui-ci, je l'ai pris en deux fois puisque je veux faire un petit cadeau à une amie. Voilà. Alors, également chez Nose, j'ai trouvé deux rubans. Ils avaient un énorme arrivage. Moi, j'ai pris que ceux-là. Donc, celui-ci et celui-ci. J'aime beaucoup celui-là. Ils étaient affichés au prix de 99 centimes la bobine et je les ai payés 30 centimes. On passe au haul action. Alors, tout d'abord, en nouveauté. Vous avez déjà dû le voir sur d'autres hauls, mais je vous les représente ici. Donc, j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé les tampons. Je passe assez vite, hein, parce que vous les avez déjà vus, je pense, à peu près partout. Voilà, ils sont toujours au prix de 79 centimes. J'ai trouvé les nouvelles plaques à embosser. Donc, comme d'habitude, il y a 8 modèles, 5 de 15 par 15 et 3 de 10 par 15. Donc, on va trouver celui-ci. 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 Celui-ci avec les roses. Magnifique. Celui-ci. Et celui-ci avec les petits fanions. Je ne me souviens plus des prix, donc ne me demandez pas. Alors attendez, je regarde si je le trouve vite fait sur mon ticket. Alors, 86 centimes pièce. Donc ça va pas changer.
J'ai également trouvé les nouveaux dies. Alors, je suis déçue parce que j'ai fait deux actions, trois actions, donc le plus près de chez moi, ils les ont toujours pas reçus. Et dans les deux autres, ben, ils ont dû les avoir, mais malheureusement, ils étaient déjà dévalisés. Donc, j'ai pu trouver que 4 modèles sur les 8. Donc, j'ai trouvé celui-là. 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 Et enfin, celui-là. Ils sont plus chers que d'habitude parce qu'il me semble qu'ils sont à... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Toc, toc, toc. Alors, il faut que je retrouve le bon ticket. Eh bien, je ne retrouve pas le ticket. Est-ce que c'est celui-là? Non. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait du ticket. Je crois que c'est 2,87, il me semble. Il me semble qu'ils sont au prix de 2,87. Alors, confirmez, mais je crois que c'est ça, 2,87. Ensuite, toujours dans les nouveautés, enfin... Par quoi je vais prendre? On continue. Du coup, là, je ne vais plus vous donner les tarifs parce que je ne les ai pas en tête. Et il faut que je recherche les tickets. Et vu l'heure, c'est un peu trop tard. Donc, au rayon papier cadeau, j'ai trouvé ceci. Il y a 4 modèles différents. Voilà. Ensuite, j'ai enfin trouvé, alors je pense que c'est ceux de l'année dernière, c'est pas ceux de cette année, mais bon, c'est pas grave, je les ai pris quand même. Stéphanie, si tu passes par là, je t'ai trouvé les Mickey, donc je t'en ai pris 2 planches. Voilà, toujours des petites boules avec les petits, ce cas, voilà, les petits shakers. Moi, j'ai repris un Cars et il me manquait celui-là avec toutes les princesses. Donc voilà, alors moi je pense que je vais les utiliser pour faire des marque-pages pour les enfants en fait, pour Noël. J'ai également trouvé un planeur, un journal. Je vous montre que celui-là parce que les autres vont arriver, alors moi je ne les ai pas trouvés, enfin ils y étaient, mais du coup comme j'ai demandé à une amie de me les prendre dans son action, bah du coup je ne vais pas les prendre deux fois. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez je peux l'ouvrir. Ah, je dirais que ça sent pas très bon, d'après les copines. Ah ouais, ça sent vraiment le plastique. Ça sent pas bon du tout. Donc, on a la petite ficelle pour l'ouvrir. À l'intérieur, on va trouver des petites pochettes. Deux compartiments à la. Avec des petits stickers. Qu'on retrouve également en stickers puffy ceci. Désolée pour la luminosité, du coup je vais être obligée d'allumer la lumière du bureau. J'espère que ça va aller pour finir la vidéo. Donc avec des pages avec des petits points, des pages vierges, des lignées et des intercalaires. Hello, Dream Big. Hello. Love. Donc bien entendu, enfin moi je vais le retravailler, mais je vais les rescraper les intercalaires, je pense pas les laisser comme ça. Par contre celui-là, la pochette était très sympa, donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Voilà, je le rangerai plus tard. Ensuite, j'ai pris du fil à canevas pour fabriquer des petites pampilles. Donc j'ai pris celui-ci. Bah, j'ai pris toutes les couleurs en fait. Hein, dans les tons de rose, les tons neutres, les tons violets, les tons orangé et marron, les tons bleus et les tons de vert. Ensuite, j'ai trouvé au rayon Noël du ruban. Comme ceci. Alors ce qui est bien, c'est que dedans il y a un petit fil métallique. Donc pour faire les nœuds, c'est bien, c'est sympa.
Moi, j'aimais beaucoup celui-là avec les étoiles et les lunes, parce que du coup, on peut l'utiliser même en dehors de Noël. J'ai trouvé ceci, ce que je pensais. Donc, du coup, je vais pouvoir les détacher comme je veux. Voilà, c'est comme ceci en dessous. Donc, c'est pas mal du tout. Comme ça, je pourrais en faire. Je vais pouvoir les couper. Oui, d'accord, ils ont remis un bout. Ok, j'ai compris leur système. Donc, en fait, on va pouvoir les détacher, hein, ou par des rangées de 2, 4, comme vous voulez, la longueur que vous voulez. Donc, ça, c'est top. Donc là, je suis ravie. Du coup, il était enroulé comme ça. On va le remettre comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le même système, mais du coup, avec des... Voilà, plus des brillants. Et il n'est pas argenté, il est plus dans les tons rose gold. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé des petites breloques. Alors, j'en avais deux. Le deuxième doit se balader quelque part. Bon, c'est pas très grave. Il y en a deux, normalement. Il est là. Donc, toujours au rayon Noël, j'ai trouvé ceci. Donc, à l'intérieur, il y a des petites pierres. Moi je les ai pris pour faire des décorations là pour Noël Noël. J'ai déjà mes petites idées. J'ai trouvé au rayon maquillage et je remercie Sandy parce que c'est la chaîne de Sandy, puisque c'est elle qui a eu l'idée et qui a testé et qui nous a fait un retour produit. Donc je me suis dit ça a l'air top pour faire mes fonds de page. Donc du coup je les ai pris. Il y a trois couleurs. J'ai pris les trois. Donc ça se présente comme ceci. Forcément, la caméra, ça marche du premier coup. Et là, on n'y arrive pas. Donc, c'est un petit flacon avec une pipette. On pompe. On a le produit qui, normalement, doit arriver. Voilà. Voilà, il n'arrive pas. Donc c'est pas très gros, hein, il n'y en a pas énormément. Bon, moi je vais l'utiliser au pinceau, je pense. Alors je vais remettre juste un peu ici. Donc là c'est le plus clair. Alors effectivement, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc c'est vendu. C'est un illumineur liquide pour mettre en valeur les pommettes et avoir un teint lumineux. Donc moi je vous avoue que je ne vais pas l'utiliser du tout pour ça, mais bon, pour celles qui veulent l'utiliser dans sa vraie fonction, voilà, vous savez qu'il y a trois teintes. Moi je remercie Sandy puisque du coup c'est elle qui m'a fait découvrir ce produit, qui en est contente, qui a fait un retour produit excellent. Donc on va tester, on verra. Ensuite j'ai trouvé un rouleau, alors c'est un chemin de table normalement. C'est du tissu décoratif. Donc voilà, moi je l'ai pris pour faire mes couvertures de mini sur le thème Noël, hiver. Donc j'ai pris ce rouleau-là. J'ai repris, donc rien de nouveau, hein, des enveloppes avec les cartes. Donc ton écru est là, métallisé, où il y a deux grises, deux marrons, deux blanches et deux ivoires. J'ai également pris des bloc-notes, hein, puisque je crois que ça doit être, il me semble, 99 centimes les trois. Donc j'en ai pris deux lots pour faire des bloc-notes décorés en fait pour Noël. Donc rien de particulier. J'ai repris également, parce que pendant qu'il y en avait, du tissu adhésif. Voilà, j'en ai repris deux. Alors pourquoi j'ai repris du tissu adhésif? Parce qu'en fait, je suis en train de créer des carnets comme ceci. Donc, c'est des carnets que j'avais achetés au moment de la rentrée par 3 chez Action. Du coup, moi, je les recouvre de tissu adhésif. Je vais décorer les couvertures. Et c'est pour mettre à Noël. Je vous en dirai plus dès que j'aurai confirmation. Vous saurez pourquoi. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle, donc voilà.
J'ai également trouvé un washi, alors dans le rayon Noël. Donc, si quelqu'un peut avoir me donner un retour là-dessus, je ne sais pas si c'est des produits récents de cette année ou si c'est le stock de l'année dernière. En tout cas, il y en avait plusieurs. Moi, j'ai pris que celui-là parce que de mémoire, je ne l'avais pas. Et bon, en fait, j'aime bien celui-là, là. Voilà, avec les rennes et le paquet cadeau. Et là, celui-là, c'est des sapins. Voilà. Ensuite, en nouveauté, j'ai trouvé. Alors non, j'ai pris ça aussi au thème, au rayon Noël. Alors j'en ai pris qu'un parce que ma copine Jennifer doit m'en envoyer. M'en a pris une vingtaine, je crois. Donc toujours pareil, je ne peux pas vous expliquer pourquoi elle m'en a pris autant. Je vous dirai ça dans quelques temps dès que j'ai confirmation. Donc en fait, c'est une enveloppe avec. Donc à l'intérieur, vous avez l'enveloppe. Voilà, comme ceci. Donc c'est un clipboard hein, sur lequel vous avez une carte. Donc moi, je vous avoue que la carte en elle-même, je m'en fiche un peu. Je suis même pas sûre de les utiliser comme ça. Je vais peut-être les utiliser pour faire un mini. Je vais voir encore. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ceci. Donc vu le prix là, la carte vaut 69 centimes de mémoire. Jennifer, en commentaire, si tu as une idée, tu peux me redonner le prix, mais je crois que c'est ça. Donc, en fait, moi, je vais en faire des planches à post-it. Donc, toujours pareil. Je ne vous dis pas pourquoi, mais vous saurez très bientôt. À mon avis, vous avez une petite idée. Alors, là, Jenny, je m'adresse à toi. Tu me l'as trouvé, c'est cool. Du coup, je m'en suis quand même repris un. Donc, c'est nouveau. J'ai trouvé ça. Mercredi après-midi, en me baladant avec mon mari, du coup, on est parti un petit peu plus loin que les actions dont on a l'habitude et eux avaient la nouveauté. Donc voilà. C'est du papier texturé. Donc je ne l'ai pas ouvert. Dedans, ils mettent papier de couleur, papier gaufré et papier spécial mat et métallique. Apparemment, d'après les retours que j'en ai d'autres chaînes de scrapeuses, il y aurait plusieurs épaisseurs. Donc voilà, à tester. Je vous redirai ça dans quelques temps. Là, je ne l'ai pas ouvert, donc voilà. Donc, je vais en recevoir un deuxième de la part de Jennifer. J'ai également trouvé les nouveaux blocs Vellum. Donc là, je suis fan, parce que du coup, je les cherchais et c'est très bien. Je vais vous les montrer comme ceci. Alors, là. Hop, on en a le bien. Cactus. Mais bon, je pense que vous avez déjà dû les voir, hein. Voilà, j'ai trouvé celui-ci qui est plus ethnique du coup. Donc celui-là, je vais moins l'utiliser, je pense. Ceux-là avec des nouveaux. Donc bien entendu, toujours les mots. Mais du coup, avec des couleurs cette fois. On a du rose, on a du vert, qu'on n'avait pas dans l'autre série. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Il y en a encore un avec des écritures. C'est celui-là. Vous voyez, ça, on n'avait pas dans l'autre. Et enfin, le dernier. Alors, moi, je suis fan de celui avec les libellules. Donc, même celui avec les papillons, hein, on peut juste s'amuser à détourer les papillons. Là, ça peut nous faire un fond de carte, ça peut être sympa. Là aussi, parce que du coup, il y a un moment, il y a du foil, là, il n'y en a pas. Voilà, les papillons, ils m'ont mis deux fois. Et enfin, j'ai trouvé les blocs 15 par 30. Je ne sais plus si je vous avais montré les. Si j'avais dû vous montrer dans la précédente vidéo. Les 15 par 20, je crois. Enfin, les formats A5, il me semble que je vous avais montré. Donc là, j'ai trouvé les 15. Oups, pardon. J'ai trouvé les 15 par 30. Donc, il y a celui-ci, donc foil ou pas. Celui-là. Thème Saint-Valentin. Ils sont pris de bonheur là pour le coup.
dans les tons de mauve. Celui-là, plus couleur automne hiver, je trouve franchement, il est magnifique celui-là. Avec les branches et tout. Là, avec des sapins, les petits écureuils. On voit bien, un coup c'est des écureuils où il y a de la paillette. Là, c'est que les branches qui sont dorées. Imitation en flocon de neige. Imitation bois, celui-là, il est magnifique. Sapin encore. Et les petits lapins. Et le dernier, du coup, qui fait plus thème masculin. Alors, je trouve que c'est bien parce que ça change un peu. On n'a pas grand-chose souvent. Thème masculin. Bon, il y a des plumes, mais voilà, les flèches. Voilà. Donc, voilà pour ce que j'ai trouvé chez Action. Et ben pour mes abonnés qui passent par ici, je cherche toujours les 4 dies, les 4 derniers nouveaux, enfin, les 4 nouveaux dies qu'il me manque. Donc, si vous les avez dans vos actions et que vous voulez bien me les prendre, ça serait super gentil. Bien entendu, je prends les frais de port à ma charge. Franchement, ça serait top. Vous seriez des amours parce que je ne suis pas sûre de les trouver du tout. Donc, à voir. Si je peux, j'essaierai d'aller voir la semaine prochaine, mais sans grande garantie. Donc, voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.